Salut Loulou, aujourd'hui c'est un spécial arbre. Et quand je vous dis spécial arbre, ça va être franchement un spécial arbre. Pourquoi? Tout simplement parce que Alicia a été très généreuse. Et comme elle a été très généreuse, je lui ai demandé qu'est-ce que tu souhaiterais apprendre? Et elle m'a dit, oh Manu, j'aimerais savoir faire des arbres. Eh bien, on va travailler sur les arbres. Voilà ce que je vous propose. On va étudier le maximum en sachant que franchement, on n'arrivera pas au bout du truc parce qu'il y a autant d'arbres qu'il y a autant de façons de le faire. Ou plutôt, il y a autant de façons de faire qu'il y a autant d'arbres. Ou les deux, ou vous les mélangez. Pour nous aider, évidemment, la main du box. Hein, vous la connaissez, la main du box. La main du box, il n'y en a qu'une seule. On la trouve chez Isaro. Et elle est pas chère, 49 euros. Allez, allez, hop. Et profitez-en, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Alors, donc, pour ce spécial arbre, on va y aller tout doucement. Ça va prendre le temps qu'il faudra. Alors, surtout, ne m'en veuillez pas. C'est avant tout pour Alicia, pour la remercier de sa participation. Et si vous aussi, vous participez, ben voilà, voilà ce que vous pouvez aussi avoir, tout simplement. Alors, pour débuter, je prends du papier normal, totalement normal, c'est du 160 grammes. Hein. On s'en fout, c'est pas très grave. Et tout de suite, il y a quelqu'un qui veut rentrer, vous la connaissez bien, c'est la star, c'est Super Boss. Alors, avec Super Boss, je vous ai déjà montré plein de choses. Mais avant de parler de Super Boss, je vais essayer juste de vous expliquer quelque chose. Dans beaucoup de vidéos qu'on trouve sur Internet, on vous propose de faire des arbres sur du papier blanc. C'est pourquoi pas? Mais un arbre, ça dépend aussi de son fond. Et ça, c'est quelque chose auquel vous allez étudier avec moi. C'est très simple de faire des arbres sur du blanc, mais c'est moins simple quand vous avez du fond. Vous allez comprendre pourquoi très vite. Alors revenons à Super Boss. Super Boss, bon, je vous ai déjà montré X fois. Vous prenez, alors là par exemple, on va prendre du jaune Isaro et du bleu de Prusse. Je prends un peu plus de jaune. Voilà. Et aussi simple que ça, je tapote. Et je tourne bien la brosse. Vous voyez, pour que les poils. Vous voyez. Voilà. Et puis de temps en temps, je lâche très haut. Et de temps en temps, j'appuie très fort. C'est ça le secret de Super Boss pour faire les végétaux. Donc là, j'ai déjà une première couleur. Je reprends la même couleur, mais cette fois-ci avec un tout petit peu plus de bleu. Et pendant que c'est entre le mi-mouillé, mi-chac, on va dire, on imagine la lumière. Alors, pour vous aider, elle sera toujours à 45 degrés à gauche. Et là, donc, j'imagine les groupes de feuilles. J'imagine la boule. Parce qu'il faut imaginer qu'un arbre, c'est une boule. Donc, voilà. Et vous voyez, c'est aussi simple que ça au départ. Je dis bien au départ. Hein. Après, ça peut se compliquer. Voilà. Là, nous avons deux tons de passé. C'est aussi simple que ça. On nettoie. Et si on nettoie, c'est donc ton frère. Je prends un peu d'indigo. Et mon copain l'indigo. Et pendant que c'est toujours dans le schlumberpiep, j'en mets une couche un peu plus sombre. Là où je veux que ça soit franchement
le plus sombre possible. Voilà, pour bien le faire tourner. Voilà. On entend même le coucou. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi je l'entends. Qu'est-ce qu'il reste plus qu'à faire? On prend un petit pinceau. Alors vous prenez celui que vous voulez, hein. Et du moment qu'il soit fin. On prend un peu de Brent Van Dyck. On commence par la base et on essaye de pas trop faire un espèce de tronc hyper raide, hein. Éviter. Alors, je sais bien, hein, que ça existe, mais ce serait bien. Alors, vous voyez, là, je viens de faire une grosse cagade, c'est-à-dire, j'ai fait ça qui est quasiment aussi gros que le tronc. Est-ce que ça existe? La question est non. Enfin, plutôt la réponse est non. Donc, on va grossir un tout petit peu le tronc et on va être beaucoup plus raide. Vous voyez? Je vais un peu comme ça. Là, voilà. Là, une autre branche qui part. Là, une autre branche qui part. Et là, vous commencez à faire partir les branches. Alors, quand c'est plus gros ici, ça va pas. Il faut que ça soit le plus gros vers le tronc. Ça, c'est un truc auquel il faut que vous pensiez tout le temps. Donc là, vous avez le tronc qui est là. Peut-être qu'il monte jusqu'ici. Peut-être que ça va jusqu'ici. Là, il y a quelque chose qui part par là. Là, on va y faire partir des branches. Vous voyez, vous essayez de compléter et dans les trous, vous mettez les branches qu'il faut. Voilà. Voilà. Et évidemment, vous ne laissez pas les groupes de feuilles toutes seules. Voilà. 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 Alors, pour mieux terminer la chose, prends le Brin Van Dyck avec du bleu de Prusse. On mélange tout ça. Ça va nous faire un espèce de gris noir. On pense à la lumière. On en remet un petit coup sur le côté, comme ça. Voilà. Voilà. Voyez, le truc après, c'est franchement de faire un maximum de branches pour faire des arbres sympathiques et pas sympatriques. Après, vous pouvez le faire des arbres de la Saint-Patrick si vous voulez. Voilà, donc vous avez un résultat avec Manu qui a un chat dans la gorge. Avouez quand même que ça fait des petits arbres sympathiques. Ceci est une façon de faire. Mais faisons maintenant d'autres versions. Alors, je vais vous montrer déjà une version. Allez, moi je l'appelle version n'importe quoi. Alors, version n'importe quoi, c'est très simple. Vous prenez pareil du jaune avec un peu de bleu de Prusse ou d'autres couleurs, hein, et vous frottez comme ça. Et puis, prenez de l'indigo. Mettez des trucs comme ça. Et vous laissez l'eau agir. Hein, surtout, vous ne faites rien. Hein, surtout, ne faites rien. Vous prenez du jaune. Vous en mettez pendant que c'est dans le mouillé. Comme ça, entre les deux, vous voyez. Et puis après, tout ce que vous avez à faire, c'est d'attendre. On n'a pas le temps d'attendre. Donc, coup de séchage qui va être vite retiré. Donc, nous avons une espèce de grosse tache. Bon, c'est pas encore totalement sec, mais c'est pas grave. Et c'est là que je sors un traînard, un 80, par exemple un Raphaël 88-26. Vous voyez, c'est du très long poil
Il y a même encore un long poil qui s'est barré. Et alors, je vois certains de temps en temps qui touillent comme ça. Non. Prenez, si vous voulez garder votre pointe, voilà, vous caressez l'aquarelle. N'hésitez pas. Toujours caresser. Et alors, vous avez le tronc. Alors, il y en a certains qui partent quand même un peu frits. Mais on peut, en gardant l'idée de l'arbre tel qu'il est, vous prenez comme ça. Et voilà, c'est un peu trop gros, hein. Donc on va corriger le truc. Et maintenant, donc le traînard, vous pouvez faire partir du truc comme ça. Ah, c'est peut-être pas très sec encore, hein. Faut faire gaffe, hein. Et vous le tenez bien le plus haut possible. Et voilà. Vous laissez partir comme si c'était une explosion. Alors, moi j'appelle ça la méthode britannique parce que les Anglais, ils font souvent des trucs un peu de ce style-là. Vous voyez, moi je, c'est pas mon truc. Hein? Voilà. Donc souvent, vous allez voir des trucs un peu de ce style-là. Je l'ai très marqué, mais vous pouvez le marquer un tout petit peu moins en prenant une terre d'ombre brûlée ou quelque chose comme ça. Hein. Voilà, inutile de sortir le grid pen. Hein. Donc ça, c'est une façon de faire. Il y en a qui le font comme ça. Donc ils ont cette base-là. Mais regardez bien. Donc je vais prendre de l'eau sale pour ça. Et là, il rajoute. Quelques gouttes. Et qu'est-ce qui va se passer avec ces quelques gouttes? Ben, la couleur va petit à petit se diffuser. Donc, on met quelques gouttes et on essuie un tout petit peu comme ça avec un pinceau. Et ça va vous faire pareil. On aura les branches, mais en même temps, comme ça va un peu fuser, plus les taches qui vont couler un tout petit peu, etc., ça va faire quelque chose de pas mal. On va faire sécher et on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc vous voyez, là, bon, c'est pas totalement sec, hein, il y a encore quelques trucs. Donc là, on a quelque chose qui est, ouais, un peu kiff-kiff, mitigé, quoi. Autre variation, le pinceau éventail. Vous en avez tous eu, vous en avez tous acheté. Vous dites, ah, c'est génial ça, ce pinceau à éventail qui perd tellement ses poils. Regardez, j'ai juste fait ça, il est parti de partout. Alors, pinceau à éventail, déjà regardez. Dès qu'il est mouillé, on a plein de camel toe, en veux-tu, en voilà, c'est-à-dire quand les poils se regroupent et ça fait des trucs aussi gros que ça. Hein. En sachant que ça, c'est du synthétique en plus. Donc c'est double camel toe. Mais ce n'est pas grave. Technique habituelle, jaune, bleu de Prusse. Et donc le truc c'est. Et on tapote. Et en fait c'est la version, on va dire, légère de que je déteste ça. C'est la version légère de la Super Brosse. Alors vous voyez, faut bien tourner le truc dans tous les sens parce que vu les camel toe, on a des machins un peu comme ça. Mais voilà, vous pouvez
chatouiller comme ça, vous voyez, vous pouvez. Hein, c'est pas. Et vous mélangez bien les deux couleurs, hein, surtout. Hein, c'est. Voilà, vous jouez un peu avec la pointe. C'est pas encore l'heure de la ronronsonne. On verra avec elle. Hein. Mais voilà, on a une façon de faire un arbre, on va dire, beaucoup plus léger. C'est quelque chose, vous voyez, c'est. Voilà, alors après, on peut prendre un peu de plus sombre. Hein. Voilà. 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 Donc là, c'était avec ça. Donc, même souffrance, on reprend un traînard, par exemple. On y va. Alors, là, vous pouvez partir du haut si vous voulez. Voilà. Et ensuite, vous le tenez bien le plus haut possible. Et vous y allez. Voilà. Donc, ça, c'est. Alors, vous pouvez faire des branches comme vous le souhaitez. Enfin, essayez quand même de respecter l'ordre des branches. Ce que je ne suis pas en train de faire, là, voilà. Ça va mieux. Je vais juste écarter un tout petit peu plus le tronc. Voilà. Voilà. Donc, une autre façon de faire avec le pinceau éventail. Bon. Moi, je suis pas fan du tout, hein, du pinceau éventail. Alors, vous pouvez en trouver un peu partout, de toutes les façons possibles et imaginables. J'ai essayé un peu. Pas tous les poils parce que je sais qu'il y a des poils que je n'ai pas essayé, mais j'en ai essayé quand même déjà pas mal. Ça craint du boudin. Hein. Alors, on va descendre un tout petit peu parce que on va monter d'un cran. Bon, vous avez alors une autre méthode. Allez, moi je vais l'appeler. Ça sera une spéciale dédicace pour lui. Ça, c'est la méthode Patrick. La méthode Patrick, vous prenez un pinceau petit gris, hein, que vous voulez. Pareil, vous mélangez les deux. Mais voilà, là, il est complètement chargé. Donc, on ne peut pas en faire grand-chose. Je vais récupérer tout le jus. Voilà. Je vais lui écarter un peu les poils. Vous voyez que pourquoi acheter un pinceau éventail? Alors, j'appelle ça la méthode Patrick parce que j'avoue, quand j'ai vu ça, j'ai dit, tiens, c'est un truc auquel je n'avais jamais pensé, ça. Donc, je lui redonne. Il a peut-être vu ça lui-même ailleurs, mais. Après tout, vous avez donc pareil. Alors là, en fait, j'ai le pinceau qui est certainement trop large, hein, mais ça le fait quand même. Je pense qu'avec un plus petit pinceau, alors, on va tenter. Puis là, vous voyez, hein, c'est des pinceaux. Lui, il prend des pinceaux IKEA, moi, je prends des pinceaux Cultura. Vu qu'on n'a pas d'IKEA à Angoulême, d'ailleurs, on se demande bien pourquoi. Le maire, il aime nous faire chier avec des trucs pas possibles au niveau de la gare, mais alors, pour un IKEA,
Voilà. Pareil, on prend un petit traînard et il n'y a plus qu'à. Alors évidemment, vous pouvez soit couper le tracé des branches, hein, comme je fais, soit comme les Anglais, vous pouvez les continuer à l'intérieur jusqu'à une certaine hauteur. Ah ouais, que ça le fait aussi. Différent, regardez. Là, c'est quand même une façon, et là, c'est quand même beaucoup plus fine. Ok? C'est une façon. On va reprendre les petits gris. Alors, je vais peut-être le garder un peu plus celui-là. On verra plus tard. Et je remélange. Donc, jaune et bleu de Prusse. Et autre façon, donc ça doit vous rappeler celle-là. Alors le truc c'est de pas, voilà. Et là, oui, vous jouez avec le papier. Et là. Et le bout du pinceau qui part en coucouille. Voilà. Vous pouvez reprendre un peu d'indigo. Voilà. Donc là, vous avez votre truc, c'est toujours le même combat. Vous prenez votre et vous pouvez même le travailler dans l'eau comme je le fais, dans le mouillé, je veux dire. Si vous le désirez. Voilà. Là. Toujours le tronc plus large, pas beaucoup, mais juste ce qu'il faut. Donc là, vous voyez, petit arbre, très rapide, très rapidement fait. Une nouvelle fois, vous pouvez le faire à l'anglaise avec les trucs qui partent. Vous pouvez le faire hein, aussi comme ça. Il n'y a pas de super recette. Je vous donne juste les ingrédients, moi. Voilà, donc ça, encore une autre façon de faire. Autre façon de faire. Et c'est là que revient le père Pat avec la fameuse run, run, run. Vous savez, on le prononce comme on la boit. Donc, pareil, on tapote, on prend un peu de couleur. Vaut mieux évidemment que ça soit sur une palette comme ça, parce que sinon je vous dis pas. Et on essaye de pas trop prendre de jus. Voilà. Et léger, un peu comme avec la. Alors, là, je sais que j'ai du bleu, donc je joue avec la tranche, là où j'ai du bleu, et je jouais avec, maintenant avec le jaune.
Et j'ai une espèce de bleu-botte, vous voyez, c'est. Pour reprendre un peu, tiens. Voilà. Pourquoi pas même prendre un peu de gris. Voilà. Ouais. On va frotter. C'est quasiment à sec, hein. Voilà. Donc on a un espèce de truc comme ça. Qu'est-ce qu'il reste plus qu'à faire? Vous connaissez la technique maintenant. En sachant que l'intérieur avec la ronronsonne, c'est assez sec. C'est pas comme là. Donc vous pouvez travailler assez rapidement le branchage si vous le désirez. Alors que ce soit normalement ou à l'anglaise. Bon, je ne vais pas vous le faire 40 000 fois. Hein. Maintenant, vous avez compris le système. Ok. Voilà. Donc là, on a déjà 6 façons de le faire. C'est-à-dire, oh ben c'est déjà pas mal. Non, il y en a d'autres. On va. Je vous ai dit qu'on allait les étudier. Ah bah, c'est une spéciale, c'est une spéciale, hein. Mais avant de ça, on va recharger. Je viens de remettre du jaune. Pourquoi? Vous allez le voir bientôt. Alors, autre façon de faire, vous prenez de l'eau et vous mouillez un peu votre papier. Prenez du jaune. Vous en mettez dans votre mouillé. Pour l'instant, rien de précis. Mais du jaune avec du bleu. Et qu'est-ce que ça vous fait? Celui qui a dit du rouge, il devrait arrêter tout de suite. Et on joue avec l'eau. Alors vous pouvez balancer comme ça. Et vous faites glisser les choses. Vous faites glisser les choses. Voilà. Voilà. Allez, maintenant on va prendre un peu d'indigo. Oh, j'ai fait un smiley. Voilà. On fait glisser les choses. Alors, et on va laisser la chose se sécher. Pendant ce temps-là, on va faire un autre. Une autre façon de faire qui se rapproche de celle-là. Hein. Je vais vous montrer. Donc pareil, on mouille. On prend non plus du jaune, mais de l'ocre jaune. Pareil, on remplit. Et si la tâche est plus grande, on s'en fout. Hein. On prend un peu de bleu de Prusse et on joue avec et on mélange les deux. Donc là déjà on a un vert, on va dire, plus naturel. Mais, et c'est là que c'est intéressant, mes petits loulous, hein, si, puisque vous adorez la Manu Box, c'est que vous êtes des chanceux et vous avez quoi? Le jaune chartreuse. Et regardez, on va prendre juste quelques gouttes de jaune chartreuse et on va en mettre dedans. Et là, vous voyez tout de suite la luminosité. Alors, bon, il y a des gouttes de bleu de Prusse qui se mélangent aussi, mais voilà, vous laissez filer. Il y en aurait qui laisseraient ça comme ça. Hein. Donc, on va reprendre un peu de bleu de Prusse. On va en mettre dedans. C'est un peu
comme l'alcool dans les tontons flingueurs, il y en a aussi. Ok. Et the must, on prend donc Brunswick, bleu de Prusse, on les mélange ensemble et on va en mettre un coup comme ça vers la base. Mais attention, regardez bien, bande de petits vénères. On va jouer à récupère-moi la goutte. Et là, on va descendre la goutte avec la pointe. Alors là, évidemment, il vaut mieux avoir un pinceau hyper pointu. Voilà. Donc, on va jouer avec un peu l'eau. On joue un peu avec tout ça. Donc là, c'est toujours pas sec, hein. Mais là, vous voyez, on a un effet, vous voyez, qui est somme toute hyper sympa. Je reprends le traînard. Je le prépare pour tout à l'heure. Parce que là, je crois que je vais sortir non pas ce que vous pensez, bande de petits cochons, mais mon sèche-cheveux. Allez, à tout de suite. C'est enfin sec. Alors donc, j'ai pris mon traînard et comme pour les autres, vous pouvez donc voilà. Tiens. Il fait une tâche. Il est pas là. Ah, vous avez peut-être pas entendu le klaxon. Avec mon micro. On commence un peu à couper tout ça. Voilà. Vous partez. Oh, mini branchage, c'est dur à dire, hein, branchage. Voilà. Donc, et on arrive à deux versions. Donc, une version grosse tâche, une version grosse tâche modifiée. Ok. Donc, là, vous voyez, on est arrivé à huit versions. Mais ça, c'était sur du papier 160 grammes, grain fin. Maintenant, prenons un papier torchon. Alors là, vous voyez, j'en ai un truc d'essai. Donc, papier torchon, qu'est-ce que ça? C'est torchon, granuleux. Maintenant, on va reprendre. Par exemple, la méthode de Patrick. On va mélanger. Voilà. On va lui écarter les poils. Pas à Patrick, mais au pinceau. Voilà. Et on va jouer avec, à caresser le papier. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben là, on a le grain qui est là. Et là, vous voyez tout de suite, ça fait la différence. On va prendre une couleur un peu plus sombre pour que vous voyez bien la différence. Alors, c'est peut-être encore un tout petit peu trop mouillé. Mais en caressant, juste, voilà, ça y est. Vous voyez, le truc, c'est de bien savoir qu'est-ce qu'on a au niveau de l'eau. Regardez. Regardez la texture. Ah, ça fait quand même pas mal, hein. Donc là, vous voyez, on a utilisé la même version,
Et en fonction du grain, on a franchement quelque chose de différent. Ça, c'est quelque chose auquel vous devez à tout prix y penser. Alors, ça peut marcher aussi. Elle est où, ma copine? Vous pouvez prendre Super Boss, par exemple. Et en mode, comme là, pas très sec, frotter. Oh, là, la couleur, elle est trop. J'ai dû recharger le jaune, et elle est trop humide. Mais enfin bon. Donc là, vous frottez comme ça. Un peu comme si vous retiriez une grosse tache. Alors, celui qui dit c'est Manu la grosse tache, dehors. Et là, on peut jouer. Vous voyez, ça le fait aussi. Et c'est aussi la même chose. C'est ça qui est extraordinaire. Hein. On va prendre toujours Super Boss. On prend qu'une seule couleur. Et là, on ne revient pas dessus. Hein. Voilà, on prend de l'indigo pendant sans reprendre de l'eau. Hein. Voilà, pourquoi pas un peu de sombre. Voilà. C'est la même Super Brosse qui a fait ça. Alors maintenant, on va prendre un pinceau. Normalement, je préfère, oui, ces pinceaux-là qu'au traînard. Et il n'y a plus qu'à. Alors. Niveau branchage aussi c'est pareil. Moi j'ai tendance un peu à les faire un peu ronds, mais pensez quand même que c'est quelque chose de solide, de carré. Donc pensez-y, c'est tout. Je dis ça et je dis rien. De toute façon, on verra ça pour d'autres versions d'arbres. Voilà. Allez. Maintenant, on va prendre lui. Hein. Autant que je vous les termine quand même, parce que sinon, ouais, mais il termine même pas ses armes. Quelle feignasse, hein? Oui, vous avez raison. N'hésitez pas à croiser les branches, pas à croiser les doigts. Voilà. Et pour le dernier, je suis en train de muer, vous entendez? J'ai ma voix qui peine, qui te perd. Voilà. Pareil. Vous pouvez jouer aussi avec le papier pour faire une texture de d'écorce. Voilà. Regardez les versions. Je vais vous les rapprocher parce que vous vous dites, ouais, mais c'est un peu trop loin, Manny, tu sais, moi j'ai des vieux yeux. Hein. Et ben voilà. Regardez les versions. Super Bros. Double Super Bros.
papier fin, papier texturé. Vous voyez, c'est ça, franchement, aussi, les différences. Donc, pensez-y quand vous voulez faire une aquarelle qui a peut-être un peu plus de sens qu'une autre. Que si vous voulez faire quelque chose de très broussailleux, quelque chose de. On ne sait pas, hein. Mais c'est des choses auxquelles vous devez y penser. Alors vous allez dire, oui, déjà, si j'arrivais à en faire un, ce serait bien. Oui, mais vous arriverez à en faire, vous inquiétez pas. Maintenant, nous allons voir le principal. Alors, pour le principal, j'ai changé, j'ai pris. Alors. Hein. On ne prend pas une équipe qui perd ou qui gagne. Vous en avez tous. Hein, c'est du Mondeval. Donc, qu'on ne me dise pas, oui, mais toi, tu as du bon papier, etc. Non. Je vais prendre juste du Mondeval, quelque chose que vous trouvez. Plus, ça doit être même pas du 300 grammes. Je pense que c'est du 200 grammes, ça. Oui, c'est du 200 grammes. C'est bien ce que je disais. On en trouve quasiment plus, d'ailleurs, du 200 grammes. Donc, voilà. Là, on a du papier grain fin. C'est-à-dire oui. Et ensuite, Manu. Ben, le problème, c'est que faire un arbre, c'est une chose. Mais un arbre, c'est dans quoi? C'est dans du ciel. Alors, souvent, il y en a qui laissent du blanc et puis ils disent, voilà, là je vais mettre un arbre et puis ils font un truc tout autour. Oui. Le seul problème, c'est que si j'utilise une certaine technique que j'ai pu faire, là, ça va peut-être pas trop le faire, hein. Alors moi, je vais vous montrer des choses. Vous en ferez ce que vous voudrez, évidemment. Donc, première chose, donc on passe le bleu et tout de suite on prend soit du jaune, soit du jaune chartreuse. Moi je préférais le jaune chartreuse, mais c'est pas grave. Et on le passe tout de suite pendant que c'est dans le mouillé. Là, je vais prendre par exemple du jaune chartreuse. Et vous voyez, d'un seul coup, j'utilise la couleur du fond et la couleur du début, si on peut dire, pour qu'elle se mélange. Ok? On va dire, oui, mais là, qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est pourquoi? Bah oui, mais là, logiquement, c'est du vert. Donc, on va descendre les teintes. On les mélange ensemble. Et on verra après. Voilà, j'avais mis un peu de jaune chartreuse. Voilà. Voilà. Et j'en remets un peu par ici. Là, on va reprendre les tons qu'on a utilisés ici. Voilà. Et je laisse faire un peu l'eau. Ne cherchez pas à faire des super arbres. Après, si vous voulez bien montrer tel type d'arbre, ça, là, je suis d'accord. Mais sinon, là, je vous montre en gros, hein. Donc, là, vous voyez, on a le bleu qui se mélange avec les teintes. Donc, ça va faire quelque chose de délicat. Vous allez dire, tiens, ça te change parce que d'habitude, t'es pas très délicat. Oui, je sais. Alors, maintenant, on va reprendre le bleu de Prusse avec le jaune. On va faire notre petit mélange. Vaut mieux, franchement, que les couleurs soient sèches. Alors, et on va profiter toujours de ce moment-là pour donner ce qu'on a besoin de faire dans l'arbre, toujours
La luminosité par ici. Donc, voilà. On va prendre un peu d'indigo. Voilà. Pas hésiter à bien assombrir certaines parties. Ok. Allez. On reprend un peu de bleu de Prusse et on en profite. Alors ça a eu un peu tendance à sécher. On va peut-être reprendre un peu. Quoique j'ai la couleur là, je sais pas pourquoi je me fatigue aussi. Il est un peu bête le Manu. Qui a dit oui? Alors. On va prendre un peu d'indigo. Donc, on va avoir deux tons qui vont être assez différents. Voilà, j'ai peut-être un tout petit peu trop mouillé. J'étais surpris par le. C'est pas mon pinceau habituel, puisque ça, c'est du petit gris, mais bon, c'est pas grave. Et là, donc, il y avait un ton qui était léger, qui était pour le lointain. Donc, on va prendre un ton autre avec un peu d'ocre et on va juste. Si vous pouvez laisser un peu de blanc, là on, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais on verra bien. On va prendre un peu de jaune chartreuse pour faire quelques jolis verres par-ci par-là. Ok. On a fabriqué du violet, mais il m'en reste plus beaucoup. Mais c'est pas grave. On va essayer quand même d'en refaire. Voilà. Et on en met. Alors oui, alors là, c'est du violet. On va dire un peu rouge. Voilà. Je fais quelque chose qu'il faut absolument pas faire, c'est-à-dire de piquer chez le voisin pour faire une couleur, parce que là, du coup, j'ai un outremer qui il doit être dégueulasse. Voilà. Vous laissez. Alors, vous voyez. Avec, vous jouez avec la pointe, un peu comme ça. Et on va lécher, non, lécher, on va lécher. Bref, on va prendre le Schwarzkopf, hein. Alors, on va soulever juste le truc pour le faire sécher. Alors voilà, c'est sec. Alors, par contre, enfin, presque sec là, mais c'est pas très grave. Le seul problème, c'est que ça m'a fait une grosse cagade ici. Alors, on va l'arranger avec un petit coup d'indigo. Hein. Et on va repasser une pointe de chèche-cheveux pour arranger chat. Voilà. Chèche-cheveux. Notez bien la différence entre là où tout a été dans le mouillé et a séché, on va dire dans le mouillé, et là où ça a séché et j'ai remis des coups, on voit bien les traces. Bon, on peut les retirer après en remettant de l'eau, etc. On va pas se fatiguer. Moi, c'était pour vous montrer ça. Donc là, vous voyez, on a le bleu, on a les arbres, on a deux différences de teintes. On a quelque chose de plus jaune et l'autre, quelque chose de un peu plus éteint. Il n'y a plus qu'à. Alors, on va prendre le Von Tick.
Alors, on reste bien au milieu, là. Juste quelques branchages. Donc, là, on a la base et on a l'ombre qui est déjà là. Le seul truc, là, vous voyez, c'est qu'au niveau de la lumière, c'est pas terrible, terrible, hein? Ok? Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Et qu'est-ce qu'on fait? C'est pas très français, mais ce n'est pas grave. On prend un petit 916, un petit Raphaël 916. Et on peut retirer un peu de matière. Ce qui va. Et en bas, on tapote, vous voyez, juste comme ça. Et regardez, on a notre arbre. Je fais pareil sur l'autre, où le c'était quand même plus léger. Sachant que il y a certains papiers où le retrait comme ça, c'est plus ou moins compliqué. C'est un peu comme dans certaines banques, de temps en temps, ça te coûte plus cher, mais tu te dis, après le retrait, c'est chiant. Et voilà, nous avons deux arbres, deux façons, avec une même façon de faire, mais vous voyez, il y en a un qui est un peu plus lumineux, l'autre qui est un peu plus sombre. On a les ombres, on a les lumières, tout est là. Voilà. Ça, c'est dans l'absolu. Mais, voilà-t-il pas que Dame Nature, dans sa grande faiblesse ou générosité, nous a mis plein d'arbres. Et là, les affaires se gâtent. Donc, par exemple, je vais reprendre mon ocre jaune, mon jaune chartreuse, pardon. Et je vais en mettre un peu partout. Voilà. Alors, vous pouvez faire des petits points comme ça quand vous arrivez proche de l'arbre. Le problème, c'est que là, le jaune chartreuse est quasiment identique. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que ces deux arbres, ils sont entourés de bosquets. Alors, on va prendre de l'indigo. Pourquoi j'ai la voix qui perd comme ça, moi? Pourquoi je n'ai pas mué encore? En fait, je suis Benjamin Button. Je retourne en arrière. Voilà. D'ailleurs, quand on réfléchit bien dans Benjamin Button, quand il naît, c'est un vieillard, mais est-ce qu'il avait aussi un dentier quand il est sorti? Alors, là, vous voyez, on a, et on prend un peu plus. On va même aller directement dans le bleu de Prusse, Ravensbrück, et on va en mettre un peu vers la base, comme ça. Voilà, vous voyez, ça fait hyper sombre, hein? Mais vous inquiétez pas. Et c'est là. Pour les dames, vous prenez votre ongle et alors, évidemment, pour les messieurs, si vous n'avez pas d'ongle, vous prenez un cure-dent ou un truc à brochette. Ça le fait aussi.
Donc, là, maintenant, on va laisser couler. Alors là, je suis peut-être allé un tout petit peu fort de café. Donc, je vais mouiller légèrement avec de l'eau propre. Et je vais laisser faire. Donc, ça va travailler petit à petit. Là, c'est pareil. Vous avez des grosses taches comme ça. Vous laissez faire. Là, c'est pareil. C'est peut-être un tout petit peu trop sombre. Donc, on va. Voilà. On va récupérer un peu d'eau. Alors, ça, ouais, ce que je fais là, ça sent le massacre. Mais non, si ça va. Ça va. Ça va partir en. Touille d'un côté, on touille de l'autre, c'est parfait. On va faire sécher. Alors d'ailleurs, je vais profiter du séchage pour vous montrer quelque chose, un effet supplémentaire. Vous prenez votre sèche-cheveux, et pas très fort pendant que c'est mouillé. Vous repoussez la goutte jusqu'en bas. Et si vous voulez qu'elle monte, voyez, vous pouvez jouer avec votre sèche-cheveux comme ça. Donc là, c'est quasiment sec. Bon, là, c'est peut-être un peu trop bleu. C'est pas très grave. Et vous voyez, comme on a marqué le papier. Les pigments sont rentrés dedans en disant waouh, c'est partout! Et hop! Mais par contre, le problème avec cette technique-là, c'est que ça la marque énormément. Alors, ça peut être blanc, comme ça peut être noir. Tout ça dépend. Regardez. Vous voyez, là, j'ai pris avec mon ongle. Allez donc savoir pourquoi c'est blanc. J'ai dû le marquer d'une certaine façon. Là aussi, c'est un peu blanc. Alors qu'avec la pointe, ça fait noir. Donc. C'est une technique plus ou moins incertaine, mais vous pouvez, si vous le désirez, l'utiliser aussi. Alors, il y en a aussi qui utilisent des cartes, etc. Enfin bon. Moi, ce que je préfère, vous voyez, c'est de partir avec un brun légèrement plus sombre et commencer à faire plein de petits trucs légers comme ça. Pour faire plus le côté massif d'arbre. Ok. Et là, vous voyez, on a déjà plus un massif. Mais qu'est-ce qui se passe quand on regarde bien? C'est que là, c'est pas terrible, hein? Donc, c'est là l'intérêt, par exemple, d'avoir Superbrosse, de reprendre de l'eau. Et de tapoter comme ça. Pour avoir un côté flou dans le lointain. Voilà. Alors après, vous pouvez tapoter aussi légèrement avec les jus que vous avez. Et pour faire comme s'il y avait un petit morceau de feuillage. Avouez que ça le fait, n'est-ce pas? Bon, très rapidement, vous pouvez aussi utiliser la Superbrosse pour faire des. Mais ça, on n'est pas là pour parler de Superbrosse. Donc, là, vous voyez, déjà, on a quelque chose qui marche mieux. Là, vous voyez, on a une lumière. Ça, c'est des choses qui vaut mieux éviter. Sauf si vous avez une espèce de une grosse clairière avec un rayon de lumière. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend juste un peu d'indigo. Vous pouvez prendre aussi du bleu outre-mer. Tout ça dépend si vous gardez une certaine luminosité ou pas. Oui, allez, tenez, pour une fois, je vais passer à l'outre-mer. Et
Vous passez juste un coup d'outre-mer comme ça, vers le bord. Vous laissez aussi filer quelques gouttes comme ça. Donc pour symboliser l'ombre. Voilà. Et là, vous voyez, bon, là, quand c'est plus proche, vous pouvez mettre un peu plus de violacé. Et voilà, vous avez quelque chose déjà qui ressemble plus à un massif d'arbres avec des arbres autour. Vous n'avez plus qu'à faire quelque chose, un petit personnage, un petit truc comme ça, une vache. Et puis voilà, vous avez votre paysage avec un ensemble d'arbres et autres. Mais ça, c'est, on va dire, dans l'absolu. Pourquoi? Parce que de temps en temps, tout peut changer. Eh bien, nous sommes en au printemps. Et au printemps, qu'est-ce que nous avons? Ben, nous avons tout qui renaît. Alors, nous avons donc un joli ciel. Peut-être, il peut être surchargé. Pourquoi pas? Voilà, avec peut-être des gros nuages, on ne sait pas. Peut-être, il va se passer peut-être quelque chose de mauvais. Donc, on a le sol qui commence à aussi changer. On va prendre un peu. Mais on a aussi un petit rayon de lumière. Voilà, ça c'est aussi simple que ça. On prend. Alors, vous pouvez prendre ce que vous désirez, hein. Super Bros. Oh, moi, je vais rester sur Super Bros parce qu'après tout, c'est ma copine. Donc, vous prenez Super Bros et vous prenez de jaune chartreuse et vous tapotez. Mais légèrement, pendant que c'est encore mouillé, comme ça, et vous essayez de suivre une espèce d'architecture. Alors évidemment, si vous avez des photos, ça marche un tout petit peu mieux. Et vous jouez avec votre jaune chartreuse. Et vous prenez, une fois que vous avez suffisamment de petites tachettes, comme ça, voilà, hein, prenez un peu d'indigo. Toujours la lumière. Alors, elle n'est pas à 45, elle serait plutôt comme ça. Mais, et vous donnez quelques petits coups en dessous de vos tachettes. Alors là, évidemment, si tachette il y a indigo, il y aura. Voilà. Et on arrive à quelque chose qui ressemble à ça. Vous allez me dire, c'est très laid, Manu. Mais attendez la suite. Maintenant, on va prendre. Vous voyez, c'est le seul truc qu'on peut faire avec Super Bros, c'est de le laisser dans l'eau pour qu'il s'abîme encore plus. Donc, c'est le seul pinceau que vous avez le droit de faire ça. Tout le reste, vous ne le faites pas. Prenez votre Brun Van Dyck avec
la couleur que vous souhaitez. Et là, c'est là que la magie va opérer. J'ai l'impression de parler comme Nicolas Hulot. Chut, je crois que je vous l'ai déjà faite, celle-là. Voilà, et vous suivez bien tous vos branchages. Et vous en rajoutez. Pourquoi? Parce que nous sommes au printemps. Et en fait, on est juste au moment où les petits bourgeons se disent « Tiens, si on sortait là ?» Croyez pas? Bon, on a eu un temps de merde, mais allez, on sort. Qui sort avec moi? Qui s'est inscrit? Ah. Voilà. Donc, je vais le passer en méga vitesse parce qu'il y en a pour un petit bout de temps. Et voilà, on arrive à la fin. Donc, on peut reprendre au besoin un peu de Vanjik pour faire tourner non pas les serviettes, mais les plus grosses branches d'arbres. Voilà. Et comme ça. Donner un peu de texture à tout ça. Ok. Voilà. Et donc, vous voyez, là, on a un arbre au début du printemps. Hein, avec ses toutes petites fleurs. Enfin, ses petits boutons. Et évidemment, vous n'avez plus qu'à si vous désirez reprendre d'autres couleurs. Voilà, on va prendre un peu d'indigo et on va faire l'ombre qui est super projetée. Voilà. Avec, je sais pas, faire un espèce de fond, de bosquet de fond. Voilà, donc là, paf, on a, à travers un fond assez sombre, même si c'est pas sombre, hein, vous pouvez même faire sur du bleu normal. Hein, vous pouvez faire exactement la même chose. Le seul truc qu'il faut faire, c'est faire comme si c'était encore l'hiver avec l'arbre quasiment dénudé, sauf vous vous arrêtez là où vous avez des touffes. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, c'est exactement le même principe que pour faire un arbre en fleurs. Alors, vous voulez peut-être que je vous rappelle l'arbre en fleurs. On l'avait déjà fait une première fois, on va le revoir très rapidement. Allez, je vous le fais en mode rapide. Hein.
Donc là, vous voyez, c'est avant tout, on relie les petites boules blanches entre elles, blanches et un peu mauves. Pourquoi? À cause de la lumière, hein. Donc, voilà, le truc, il est peut-être, j'ai peut-être un peu trop éteint. J'avoue que je suis peut-être allé un peu trop fort. Mais voilà, donc le truc est comme ça. Après, si vous désirez l'agrémenter, ben, vous mettez quelques petites feuilles vertes qui sont dans le truc, qui commencent à poindre. Qu'est-ce que tu fais? Je poigne. Mais pourquoi tu poignes? Ah, parce que j'ai envie de poindre. Voilà. Vous pouvez comme ça donner encore un air différent à votre cerisier, à votre ce que vous désirez. Prendre le 916 pour lui donner quelques lumières. Voilà, donc là regardez, nous avons un arbre en fleurs. Alors, bon, vous l'avez pas dans la Manu Box, mais peut-être dans la Manu Box 2, peut-être, j'espère, enfin on verra, enfin si elle veut bien. On va prendre un peu de... rose et zéro et du blanc. Vous pouvez aussi mettre quelques petites pointes de rouge comme ça, montrant les cœurs des feuilles, des fleurs plutôt. Donc là, vous voyez, regardez, nous avons un arbre en fleurs en quelques minutes. C'est tout simplement sympa, mais on sait exactement la même chose, hein. On a joué avec l'arrière-plan, on a monté certaines choses, on a fait des choix, on a laissé du blanc évidemment, et puis après, on a construit le squelette, en veux-tu, en voilà. Donc, ça, c'est encore une façon de faire des arbres à des moments donnés. Je pense qu'il y en a un autre que vous attendez tous. Évidemment, l'automne. Alors, l'automne, c'est comme celle-là, mais en pire. Alors, on va faire un ciel un peu crade, un ciel d'automne. Il fait triste. Ah, mais il y a une petite pointe de soleil. On va prendre un petit peu de cobalt comme ça. Voilà. Et pendant que c'est mouillé, je dis bien pendant que c'est mouillé, on prend de l'ocre jaune et on fait du léopard. Et plus on est vers le centre, on va garder un peu l'exemple de celui-là, plus on est vers le centre et plus on va laisser de... Alors après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de mettre
Alors, il y a une technique aussi, hein, vous pouvez utiliser, mais moi, je vous la conseille pas. Hein. Vous voyez? Vous tapotez pour faire les feuilles qui sont au loin, mais évidemment, ça vous tâche partout. Hein. Mais Alicia, vous voulez connaître toutes les techniques, je lui montre toutes les techniques. Donc, ce que vous pouvez faire, ce que je disais, vous pouvez prendre, fabriquer un verre un peu crade. Alors là, on a ocre jaune plus bleu de Prusse, bleu d'outre-mer plus ocre jaune. Allez, on va prendre celui-là. Ça ira très bien. Et vous pouvez en mettre un tout petit peu, peut-être en prenant peut-être plus de bleu. Ouais. Pour faire un côté un peu vieillot, certaines feuilles, elles sont ni vertes ni elles sont. Alors vous pouvez aussi faire le même truc que précédemment, sauf que quand ça veut pas, ça veut pas. Alors évidemment, bon, il y en a qui tapent. Ah tiens, ça marche mieux. En fait, ça dépend des pinceaux. Marrant, ça. Moi, j'arrive bien avec mon 15-35. Et là, je reprends un peu de jaune bleu de Prusse et j'en mets aussi. Parce qu'il y a encore quelques petites vieilles feuilles vertes qui sont là, qui savent pas trop pourquoi elles sont là, mais elles sont là. Hein? Voilà. Donc là, on a une espèce de patchwork. On va quand même penser à l'arrière au sol. Voilà. Alors là, j'ai fait un sol vert, mais on va prendre maintenant de l'ocre jaune et pareil, même limite. Vous pouvez, puisque ça marche bien avec ce pinceau-là, voilà. On essuie un peu, voilà. Ok. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre du rouge oxyde. Alors je sais plus si vous voyez, non vous le voyez plus. Allez. Donc du rouge oxyde et on va en mettre aussi dedans. C'est comme le calva. Il y en a aussi. Et dans ton flingueur. Voilà, on en met aussi. Et on peut même prendre donc du Brevendick. On va en mettre quelques vieilles feuilles. Tiens. On va en mettre, tiens, quelques vieilles feuilles pourries dans le truc. Voilà. Et ça vous fait un espèce de truc comme ça. Alors, ce qu'on peut. Alors, première version, il y en a qui pourraient creuser, voyez, le truc comme ça, avec pour faire les feuilles, les branchages blancs. Nous, on garde sur cette idée-là, donc je vais faire sécher. Et c'est là que recommence le malheur, c'est-à-dire commencer à faire. Alors, on va essayer de suivre le même arbre que j'ai fait tout à l'heure. Il était un peu plié comme ça. Il y en a aussi par ici. Oh, il y a un petit toutou là. Il fait plein de waf. Voilà. Voilà. Et voilà. Alors là, on a la base. Moi, il y a un conseil que je peux vous donner. Si vous avez des arbres devant chez vous, n'hésitez pas à les peindre et à vous en inspirer.
Donc là, vous voyez, je vais quitter le 15-35 et je vais prendre lui, le 88-26, le traînard. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir faire le truc le plus chiant au monde, c'est-à-dire que vous pouvez. Faire du branchage, du branchage et du branchage. Alors évidemment, tout ça, ça dépend de à quel moment vous le faites. Et attention, il y aura une dernière astuce après. Je vous préviens, ne quittez pas, ne zappez pas. Voilà. Alors, ça me permet de vous montrer un truc au niveau des branchages. Donc, vous pouvez faire soit quelque chose, voyez, un peu de soupe comme ça. Moi, j'aime bien parce que c'est plus dans cet esprit-là, c'est quelque chose de léger. Mais il y en a qui le font très tac, tac, et tac, 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 tac. Et 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça, j'achète! Ah non. C'est 4, 6, 8. Tac. Donc, vous faites comme vous le sentez. Ça, c'est pareil. Chacun a sa façon de voir. Sa façon de faire. Bon, ma version est la moins utilisée, mais il y en a qui le font quand même. Donc ça me fait plaisir parce que je me dis au moins je suis pas le seul à le faire. Alors je vais mélanger du carré avec du simple. Alors après, vous pouvez aussi, avec le traînard, faire plein de petites feuilles, de petites branchages comme ça aussi. Alors ça c'est le top. Et donc vous arrivez à un truc comme ça. C'est moche, hein. Mais vous allez voir la suite. C'est là qu'on prend Super Bros et on va redonner. Alors, faut que ça soit ni trop mouillé ni trop sec et on va remettre. Ah là, il y a trop d'eau. Voilà. Et on va reprendre du rouge oxyde de fer et on va en mettre juste un peu dans le cœur, comme ça, avec les quelques gouttes d'eau mouillée, évidemment. Voilà, donc là déjà ça va donner des trucs plus en avant-plan et on reprend de nouveau. Voilà, c'est spécial Isaro donc. Donc, jaune chartreuse et le rouge carlette. On va fabriquer notre quina, le quina cridone. On va même en mettre ici. Voilà, et on va tapoter. On va mettre un tout petit peu sur les petits bouts de branchage. Comme ça. Donc là, vous voyez, on a utilisé
plusieurs techniques, comme on a vu au début, entre le machin flou et Superbrush. Alors bien sûr, vous pouvez utiliser aussi, je vais vous le faire parce que sinon vous allez dire, oui, mais tu l'utilises pas. Alors on va l'utiliser. Donc on va prendre la technique pâte. Et voyez, vous pouvez faire exactement la même chose si vous désirez quelque chose de. Voilà. Voilà. Là, nous avons. On n'y touche plus. Enfin, ou presque plus, parce que je viens de retrouver le 916. Donc, je reprends le 916 et je donne un petit coup de lumière là où il faut. Et voilà. Pour redonner un peu de brun, si vous voulez. Éventuellement, on va prendre voilà. Évidemment, s'il y a de la grosse lumière, alors là, par contre, faut pas hésiter à faire comme pour les autres. Faire des parties où mais plus dans le haché, on va dire. Ouais. Donc là, vous voyez, on a déjà plus quelque chose de. Voilà. Donc là, nous avons notre arbre d'automne. Évidemment, je vous entends, vous me dites, ouais, mais l'hiver. Bah, l'hiver, c'est simple, hein. Ouais, vous avez vu ce qu'on a fait là. C'est la même chose, mais pas tout à fait. Alors, pour l'hiver, je vais vous habiller. Donc, on essaye de prendre un beau bleu. Et on essaye même de le saturer, pourquoi pas, avec un peu d'outre-mer. Voilà. Et on va frotter, voyez, avec le côté super brosse. Et on va maintenant caresser le papier. Mettre quelques parties avec du bleu de cobalt. Alors, bleu de cobalt, il n'est pas dedans, mais peut-être que dans la Manubox 2, hein? Peut-être, j'espère. Enfin, on verra. Enfin, c'est pas moi qui décide. Vous voyez, je joue plus avec des petites taches.
On va prendre plus léger maintenant. Et je fais, si je peux dire, un arbre en négatif. On va se faire notre petit violacé. S'il veut bien. Voilà. Ah, pardon, vous voyez pas, donc je disais on frotte et on frotte. Ok, alors maintenant, donc on a cette base là, qu'est-ce qu'on fait? On prend, on calcule, on fait bien son petit A. Petit A, petit A, petit A de voilà. Et là, je ressors. Je fais ressortir par contraste la neige. On va continuer sur certaines branches. Alors, évidemment, si vous avez la super patience, vous pouvez le faire sur beaucoup de branchages. J'ai fait faire ça à mes élèves. Évidemment, j'ai maintenant une trentaine de fatwas sur moi, mais ce n'est pas grave. Je suis habitué. Voilà, donc là, ça peut. C'est ni fait ni à faire. Maintenant, on prend l'indigo, tout simplement, et on fait la même chose, sauf que là, ça va être indigo, donc ce sera dans les bleus, ce sera ni bleu, ni foncé, et donc, on aura, oups, ça c'est trop. On fait quelques branches qui sortent du bout de la glace. Voilà. C'est un peu comme pour le pour les fleurs. On va faire un tout petit peu plus de foncé. Donc bleu de Prusse et brun Van Dyck. On va redonner un peu de texture à cet arbre. Voilà. On nettoie bien. On va reprendre du bleu. Et on va bien faire ressortir la neige. Voilà. Tout en effaçant le surplus. On va lui faire un peu d'épaisseur, évidemment. Toujours avec du bleu. Alors, moi, j'utilise du bleu de cobalt, mais le meilleur bleu, c'est le bleu de Prusse. Pour ce truc-là. Voilà. Alors, regardez, on a un superbe effet de neige. Maintenant,
Donc, je vais justement prendre du bleu de Prusse et je vais en mettre pour faire, voyez, apparaître la boule. Voilà. Voilà. Et donc, on arrive. Alors, c'est pareil, là, je vais remettre un petit coup. Et comme quoi, franchement, le bleu de Prusse, on peut. Même si on le remet avec un peu de bleu de cobalt, ça le fait quand même. Vous voyez, donc là, on a franchement la boule qui apparaît. Et. Après, si vous voulez faire un truc encore un peu plus froid, prenez du bleu d'outre-mer et vous mettez un peu comme ça. Voilà. Voilà, ça, c'est aussi possible. Là, je trouve que ça fait quand même un trop. Moi, je trouve que ça fait trop, mais bon. Mais il y en a qui aiment bien faire utiliser cette technique. Mais bon, moi je ne suis pas trop. Voilà. Donc là par contre, je vais reprendre du bleu et je vais reprendre un peu d'outre-mer justement. Et je vais bien fermer mon arbre. Un peu de cobalt aussi. Voilà, je vais reprendre ma super brosse, presque sec. Je vais en donner juste quelques petits coups comme ça. Voilà. Et nous avons. On n'a plus qu'à faire. À prendre du rouge, oh, c'est sec, et faire une boule qui pend. Et oui, cet arbre, allez, allez, boule. Voilà, c'était la blague du jeu pour finir. Donc, voyez comme quoi, hein, on est passé. Donc, d'un arbre en fleurs, d'un arbre avec plein de. Ou qui commence à avoir des trucs. Alors, bien sûr, là, vous pouvez rajouter, si vous désirez, vous pouvez rajouter des touches de jaune. Hein, si vous avez du jaune hyper pétant, etc. Vous pouvez même rajouter du blanc, si vous voulez. Hein. Alors, bien sûr, les ayatollahs vont dire, ah, mais on met pas de plein. Mais bon, on fait ce qu'on veut. Hein. Donc, vous voyez, on peut faire plusieurs choses, mais le principal, c'est de penser architecture de l'arbre. Et ça, il n'y a rien de tel que de regarder tous les arbres qui sont devant vous pour comprendre leur architecture. Donc, nous avons vu. Qu'il y avait différentes techniques pour faire des arbres avec des feuilles. Donc, super brosse à l'anglaise, vous voyez, paf paf paf. Alors, mouillé ou non mouillé, hein. Ok. Là, on l'a fait avec le pinceau à éventail. Là, avec la technique pâte, hein, du machin qu'on lui écarte les poils. Là, on l'a fait avec l'espèce de frottis aussi du pinceau lavis.
Là, avec la Ron Ronson, en sachant qu'il y a encore plein d'autres techniques qu'on peut faire avec la Ron Ronson. Là, on la fait avec la tache d'eau et on laisse partir, puis on met le truc. Et là, la tache d'eau, mais qu'on guide, voyez, en mettant un peu plus de noir pour faire le tronc. Je rappelle aussi la différence qu'il peut y avoir en fonction du papier. Alors regardez quand même avec du papier torchon. Ben, voilà, donc là, à chaque fois, on a caressé le papier, hein, et on a laissé le grain faire. Je rappelle encore cette partie-là, hein, donc pour faire des massifs d'arbres. Alors, il y a encore plein d'autres techniques qu'on pourrait étudier, mais je pense que là, vous en avez suffisamment assez. Et donc, arbres en fonction des ciels, toujours penser à ça et savoir comment réagir en fonction des ciels. Alors, un conseil, plus vous allez foncer votre ciel, mieux vaut garder vos blancs. C'est aussi bête que ça. Moi, je vous conseille de pas trop utiliser le drawing gum. C'est un peu dommage. Parce qu'après, les marques, elles vont beaucoup se voir. Si vous utilisez le drawing gum, vous remouillez et vous laissez sécher pour que le truc disparaît, hein. Et vous travaillez après vos feuilles. Sinon, essayez surtout de penser à la lumière qui tape et au côté boule de l'arbre, hein. Donc là, vous voyez, j'avais mis un tout petit peu, un peu ici. Je pourrais en remettre un peu plus, comme là. Aussi, j'en ai mis aussi un peu, mais plus vous allez le foncer, plus ça veut dire qu'il y aura de la lumière qui tapera d'un côté. Hein. Donc, et quant à l'hiver, pensez aussi au maximum de petits branchages et autres. Et voilà, c'est fini. Et oui, c'est fini. Donc, nous avons vu tout ce qu'on peut faire avec des arbres, toutes les techniques d'arbres possibles et inimaginables. Ce cours, vous y avez eu droit grâce à qui? Grâce au don d'Alicia et de la volonté d'Alicia d'en savoir plus comment faire des arbres. Donc, j'espère que qu'elle est contente, qu'elle saura maintenant faire plein d'arbres. J'espère que vous aussi, vous saurez faire plein d'arbres. Et j'espère surtout que vous allez remercier dans les commentaires Alicia. Pourquoi? Parce que sinon, vous n'auriez pas eu droit à ce cours. Évidemment, vous pouvez faire de même. N'hésitez pas à faire des dons, hein. Plus les dons seront gros et plus c'est vous qui aurez la possibilité de choisir les thèmes. Vous pouvez même, si vous ne pouvez pas le faire d'un seul coup, vous pouvez le faire, pourquoi pas, à l'année, hein? C'est aussi bête que ça. Si vous souhaitez faire à l'année, vous m'envoyez un petit mail, etc. Et ce sera des choses que je préparerai comme ça. À l'année ou sur plusieurs mois, on ne sait pas, après tout, hein? Tout ça dépend de vos dons. Et je vous donne, moi, rendez-vous à je ne sais trop quand. Pourquoi? Parce que c'était la dernière de la main du box. C'était très important que j'utilise la main du box, en tout cas pour là. Parce que X fois, vous m'avez dit, oui, mais pour faire des verres, oui, mais pour faire des verres. Maintenant, vous voyez qu'on peut faire des verres, on peut travailler les arbres autant qu'on veut. Je répète, là, nous avons vu le plus gros autour des arbres. On pourrait encore entrer dans plus de détails, surtout au niveau des couleurs, mais bon, on va pas quand même tout faire en un seul coup. Et puis, donc c'était la dernière de la main du box.
J'espère que vous avez beaucoup apprécié. Peut-être qu'il y aura des nouvelles vidéos de Manubox, hein, mais je trouvais que c'était chouette de terminer en tout cas la série de Manubox avec les arbres. Et peut-être que s'il y a d'autres Manubox, bah peut-être qu'il y aura d'autres vidéos de ce style. Tout ça, une nouvelle fois, je répète, ça ne dépend que de vous, que de ceux qui ont envie d'en voir plus. En tout cas, si vous désirez, vous, en voir plus, vous avez Twitter, vous avez Instagram, vous avez Facebook, et il suffit juste de tapoter Manu-Aquarelle. Je vous mets le nom là. Voilà. Et donc, il suffit juste de chercher ce nom-là sur Internet. Et qui sait, vous me trouverez. Ou peut-être vous me trouverez ailleurs. C'est une piste, ça. Allez, sur ce, je vous souhaite de passer un très bon été. Je vous souhaite de passer de bonnes journées. Auprès de votre arbre, vous serez heureux. À bientôt ou au revoir.